Salut à tous, c'est So, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans la Tesla de la daronne. Je viens d'aller la récupérer. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, elle s'affiche juste là. J'espère qu'elle vous a plu. Et aujourd'hui les frères, on va se servir d'un mode en particulier sur cette petite Tesla. C'est le mode camping. Ce soir, on dort dans la caisse. Déjà, regardez-moi, là on commence vraiment à arriver dans les routes, type on fait un road trip, t'as capté? Regarde, oh là 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 là, oh là là, wesh, masterclass, oh je suis trop content, oh regardez, oh regardez. Bon les frères, je suis obligé de garer la voiture, je viens de voir un endroit les gars, là-bas là, il faut que vous voyez la couleur de l'eau, je sais pas si c'est mes lunettes parce que ça fait filtre Instagram mes lunettes, mais la couleur est masterclass, donc là, je garde le char et sti. Admirez-moi le bébé. Oh là 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 là. Elle est belle, hein. En vrai, elle est belle. En vrai, je suis fier de la daronne, là. Bon, en fait, c'est pour ça que je kiffe la vie, en fait. C'est parce que là, tu vois, il fait beau. Tu roules. Tu regardes. Tu sais, tu jettes ton œil, tu vois. Tu l'envoies comme ça, coup de tête. Et là, frère, tu tombes sur un endroit comme ça. Pas de serpent. Oh, regarde frère. Waouh. Oh là 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 là, avec les couleurs là de fin de soirée. Je pense que quand on va arriver au lac d'Annecy, il va faire nuit. Ou en tout cas, il va faire sombre. Donc là, j'en profite de voir des beaux endroits là. Mais on arrive en tout cas dans la région parce que regarde. Je sais pas si tu vois, mais c'est un havre de paix en fait. Tu vois, quand on dit oh là là, je suis dans un havre de paix, bah, dans ta tête, c'est comme ça en fait. Oh là là là, c'est un fond d'écran Windows 7. J'adore. J'adore. Allez, on continue le petit road trip vers le lac d'Annecy. Oh. Oh. J'ai le droit de rouler sur des routes aussi belles que ça là. Ok, on a fini le petit épisode des routes enlacées là. En fait je pense les gars, la voiture je vais me lasser vite. On va repartir sur des bonnes voitures des années 90 où t'es pas sûr qu'elle démarre. Ça c'est ma cam, tu vois. Des voitures pas sûres. Tu peux pas compter dessus. Ça c'est mon délire. Ça tu peux trop compter dessus carrément. C'est la Tesla, elle compte sur moi. Je te jure, regarde. Regarde. C'est vraiment mon meilleur pote. Je mets le clignot, il me dit, tiens frérot, regarde les angles morts. Tiens, tu préfères le droit? Tiens, regarde les angles droits. Bon ça y est, on est à Annecy. Alors ça fait pas forcément rêver. Moi je m'attendais à ce que ce soit bien riche, que je vois plein de belles voitures. Au lieu de ça, un CHR. J'ai rien contre les CHR, mais c'est quand même assez moche. Et on commence à arriver sur des... C'est en face le lac là. Oh les frères, c'est vraiment... On dirait que je suis à Miami Beach. C'est vraiment très joli. Tu vois, il y a des beaux coins en France. Et ben Annecy en fait partie. Là, je vous explique le plan. Je vais aller remettre de la batterie pour être sûr de pouvoir repartir demain. Parce que le spot où je vais, il est à 1 heure dans les montagnes. Et j'arrive là-bas avec une 20aine de %. Le truc, c'est que quand tu mets les modes, en fait, après 20%, la voiture se coupe. Et en fait, j'ai peur d'arriver en haut et de plus avoir assez de batterie pour redescendre et reprendre la route. Moi, je vais en profiter là que ça charge un peu. J'ai un peu de trucs à faire. Donc, je vais en profiter pour bosser un peu. Wouh ! Wesh ! Hein ? C'est quoi ce délire ? Putain, pourquoi je suis 6ème, frère ? Je suis si mauvais que ça ? Putain ! Ouais, je suis trop gaze. C'est pas ce que vous croyez, les frères. Je suis sur la route pour arriver. On arrive dans 12 minutes au spot. C'est vraiment trop glauque. Attends, j'ouvre la fenêtre, voir s'il y a du bruit ou quoi. Ah ouais, il y a zéro bruit. Oh là là. Regardez, il y a des pierres qui sont tombées du... Là-bas, là. J'espère qu'il n'y a pas un gros caillou qui va me tomber dessus. J'ai pas encore eu ma Porsche, donc c'est pas le moment de me faire écraser. Normalement, j'arrive. Prudence, pensez à nos enfants. Ok, alors déjà, ça c'est super glauque. Déjà, on va poser les bases. Ok. Et puis c'est là où on va dormir ce soir, ça fait plaisir. Ok, alors déjà, les frères, il y a une odeur
de nature comme never. Là, j'ai mon sac avec tout ce qu'il faut. Wow. Je crois en fait je suis à côté d'un truc de vache. Putain. Je vais me faire rire. Aïe. T'as la honte, wesh. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. On commence par important. Le coussin. Ensuite. Sweatshirt. Un matelas. Je vais pas bien dormir là. Ma couette Cars que j'ai eu en allant à la Piston Cup. Wesh les mecs, bien. Putain, j'ai oublié de fermer une porte. Ok. Donc là, je suis sur le matelas là. Yes. Ok les frères. Et ben là, je suis bien. Je vous fais un petit. Je vous fais un petit room tour. Là il y a mes jambes. Voilà. Qui regarde un peu ce qui se passe là-bas, tu vois. Là c'est moi. Sous ma petite couette Cars. Ok, on est bien, on est léger. Là j'ai mis ma chemise à pendre. Vous voyez, il y a vraiment zéro étoile. C'est le noir. On va essayer de se réveiller. Demain je vais mettre un petit réveil vers 4h. 4h30. En vrai, je suis pas si mal. C'est clair que c'est pas un matelas, mais je suis bien. Puis je pense que je suis surtout fatigué, donc dans tous les cas, je vais bien dormir. Je suis en train de penser à un truc là, c'est que j'ai soif. Je suis le seul mec qui part camper, j'ai même pas une bouteille d'eau. J'ai ni gâteau, ni rien. Je me suis dit, je prends une couette. J'ai même pas d'eau, frère. J'ai soif déjà, j'ai déjà soif. Koh-Lanta, c'est pas pour tout de suite, moi je te le dis. Allez, à demain les frères. La vue est une masterclass. Par contre, la nuit de sommeil. En fait, ça là. Ça sert à rien du tout. J'ai mal partout dehors. Je te jure que ça va juste. Je bouge plus, je suis anesthésié en fait. T'as capté ? Ouvre le coffre. Là les frères, ce qu'on entend, c'est super simple, c'est les vaches. Salut, bonjour. Oh, la Tesla est trop belle, frère. Regardez-moi ça. C'est pas la masterclass. Pour faire un petit débrief de comment s'est passée la nuit. J'ai trop mal dormi les frères. En fait, franchement, hein, ça là, ne vous en servez pas pour dormir. N'ayez pas confiance en le fait que ce soit mou au toucher. Parce que c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Si je peux confirmer un truc, c'est vraiment que le spot là, c'est très joli. Là, je suis juste deg de pas être un mec assez précautionneux parce que j'aurais bien pris mon petit déj ici. Si je peux donner une note globale à la nuit, c'est vraiment, on va dire, allez, 7 sur 10. 7 sur 10 et vraiment les points que j'enlève, c'est ma faute. C'est vraiment genre, j'achète un matelas ou je coupe un matelas qui fit dans la voiture. Je suis sûr que je dors n'importe où. Le mode camping masterclass, il m'a gardé bien au chaud toute la journée, enfin toute la nuit. Non, après, c'est ma faute quoi. Là, j'ai trop soif. Donc, ça va aller faire un peu de course et puis ça va rentrer direct, je pense. Bon, les frères, j'espère que cette petite vidéo avec la Tesla vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre plus gros like et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao les gars.